si Phénix tenait à libérer les héros corrompus des griffes de Typhon, sa tâche était loin d'être terminée.
Voir Phénix sur une monture me rappelle Bellérophon, chevauchant Pégase. Aucun héros n'avait jamais réussi à dompter Pégase, jusqu'à ce qu'Athéna se présente en rêve à Bellérophon et lui remette une bride en or. Ensuite, ils ont chevauché, comme le vent. Bon, je m'ennuie. Tu veux pas te trouver un hobby plutôt que raconter les exploits des autres ? Phénix découvrit une porte mystérieuse, mais ignorait pour l'instant comment l'ouvrir. Ben avec un grand coup de pied ! Bam ! Les mortels ne peuvent pas, grand Zeus. Non mais après, si c'est tous des chiffres molles... Yeah.
Oh, sage Athéna, dont les récits vantent les mérites. J'espère que tu ne m'en voudras pas d'escalader ton égide. Son égide, en forme de bouclier, rendait hommage à la domination d'Athènes en matière de stratégie. C'est mon égide à moi, tu sais. Du coup, c'est aussi une preuve d'amour d'Athéna pour Papa Zeus. Si tu le dis. Le talent d'Athéna incita les Grecs à tisser de magnifiques étoffes et de sublimes tapisseries. Elle aurait mieux fait de les inciter à inventer l'ascenseur. Et bien entendu, ta chouette. C'est un plaisir. Phénix savait que la chouette représentait la sagesse d'Athéna. Une sagesse dont elle faisait bénéficier les héros mortels. Autant dire un gâchis de sagesse absolue. Cette contrée était empreinte de la sagacité d'Athéna, parsemée de temples dédiés à sa sagesse et à son esprit. Emplie de lieux aux mystères anciens, nimbée d'indicibles dangers. Pas mal. Et les impôts locaux, c'est combien dans le coin ? Phénix remarqua un édifice merveilleux, les archives. Un lieu où étudier les hauts faits et les stratégies des héros d'autrefois. Ah, ben on va y trouver Athéna alors. C'est de moi qu'elle tient son esprit tactique, tu sais. Mais tu offres la même affection à tous tes enfants, bien sûr. Ah, bonne blague.